There in another 2-3 minutes, you'll be presenting. Can we have Senegal in the interim? The Excellency representing Senegal. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les ministres et délégués des pays frères, Monsieur le Directeur général de la FAO, Mesdames, Messieurs, tout protocole respecté. Tout d'abord, je voudrais, au nom du gouvernement de la République du Sénégal, remercier et féliciter le gouvernement du Zimbabwe pour la parfaite organisation de cette importante conférence. Et bien évidemment, associer à nos félicitations et remerciements le directeur général de la FAO et l'ensemble de son staff. Monsieur le Président, pour mon pays, le Sénégal, le continent africain doit construire avec célérité, avec efficacité, avec efficience, sa souveraineté alimentaire. Ceci résulte précisément du fait, comme disait l'autre, la mondialisation apparaît de plus en plus comme une interdépendance sans solidarité. Interdépendance sans solidarité. Par conséquent, le continent africain doit inventer des systèmes alimentaires à la hauteur du défi. Et dans le cadre de l'invention de ces systèmes alimentaires, nous devons être pilotés au moins par 6 préoccupations qui nous paraissent fondamentales. La productivité, la durabilité, la diversification, l'amélioration de la qualité totale, s'entend qualité sanitaire, phytosanitaire et organoleptique, l'équité et enfin un accroissement des valeurs ajoutées agricoles. Face à un tel exercice, qui est tout naturellement un exercice périlleux, difficile, le sommet doit ambitionner de répondre au moins à 5 questions qui nous paraissent fondamentales. La première question, comment fortifier la recherche agricole africaine? Fortification qui doit permettre de générer davantage de connaissances, davantage de technologies à la fois utiles et utilisables. Parce que pour nous, Sénégal, la science est un point de passage obligé si nous voulons transformer positivement et durablement nos systèmes alimentaires. La deuxième interrogation que nous avons, c'est quel conseil agricole et rural convient-il de promouvoir? Promotion qui devrait permettre l'incorporation d'innovations technologiques, mais aussi un meilleur accès au marché. Mesdames, Messieurs, c'est ici qu'il faut loger la digitalisation. Et je voudrais, au nom de mon pays, saisir cette opportunité pour remercier le bureau sous-régional FAO Afrique de l'Ouest pour sa remarquable contribution en ce qui concerne la numérisation de l'agriculture sénégalaise. Nous avons des exemples concrets montrant qu'il est possible de tendre résolument, sûrement et avec intelligence vers une numérisation de notre agriculture, numérisation s'entend intrant pour capitaliser suffisamment d'informations, suffisamment de connaissances pour élaborer des stratégies en harmonie avec nos préoccupations. La troisième interrogation que nous avons concerne le secteur privé. Oui,
Mon pays est pour un secteur privé fort. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas répondre à la question de savoir quel secteur privé promouvoir dans notre quête de souveraineté alimentaire et de dopage de notre croissance économique grâce à ce qu'on pourrait appeler un assainissement de l'environnement, de la production et de la commercialisation, comme souligné par le représentant du secteur privé. La quatrième interrogation que nous avons et que nous considérons aussi comme fondamentale, c'est celle de savoir comment accélérer le processus de transformation de nos exploitations familiales. Monsieur le Président, pour mon pays, il n'est pas possible d'inventer des systèmes alimentaires forts sans exploitation agricole forte, exploitation familiale forte. Et l'intervention de la représentante des organisations professionnelles, disons exploitation familiale, le démontre à suffisance. Nous avons une cinquième et dernière interrogation. Elle s'énonce comme suit. Comment développer des approches agroécologiques fondées sur des évidences scientifiques dans le cadre effectivement de la restauration et de l'amélioration de nos bases productives, étant entendu que la restauration et l'amélioration de nos bases productives incluent les changements climatiques, la fertilité des sols, la maîtrise de l'eau, mais aussi le management des ressources naturelles concernant la foresterie et la pêche en vue d'une gestion optimale. Monsieur le Président, messieurs les participants, je vais conclure au nom de mon pays pour dire que le sommet de 2021 ne doit pas être un sommet d'ajustement des systèmes alimentaires. Il doit plutôt et surtout être un sommet de transformation structurelle des systèmes alimentaires. Il faut inventer d'autres systèmes alimentaires. Fort de tout cela, il nous faut certainement opter pour une approche géographique. Nous avons nos réalités. Pour une approche interdisciplinaire, pour une approche systémique, pour une approche participative, pour une approche itérative, car c'est cela qui va tirer une prospérité partagée par tous au nom de l'équité. Oui, le Sénégal pense que c'est possible d'y arriver dans le cadre d'un partenariat rural mondial où nous allons agréger nos efforts, nos moyens ou nos intelligences pour qu'un autre jour se lève, ce jour où on aura des systèmes alimentaires plus efficaces, plus efficients et s'inscrivant dans la durabilité. Monsieur le Président, telle est la communication que j'ai voulu faire au nom de mon pays. Je vous remercie de votre aimable attention.